родился в Москве. Но я ничего не помню о тех временах. Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет. Но Земля так и не стала пригодной для обитания. Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность. Метро стало нашим единственным домом, нашим последним пристанищем. В его туннелях властвуют кошмарные чудовища. Но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. До недавнего времени мы хранили надежду, что однажды сможем вернуться наверх. Но появилась новая страшная угроза, и само выживание человечества оказалось под вопросом. C'est donc sur un jeu placé sous le signe de la langue russe que nous allons débuter ce nouveau First Levels. Salut à tous, c'est Little. Le jeu en question, vous l'avez remarqué, c'est Metro 2033. Alors Metro 2033 est un FPS horreur, développé par i4 Games et édité par THQ. C'est sorti en France le 19 mars 2010 et c'est interdit au moins de 18 ans. Et j'insiste bien là-dessus, parce que le jeu est sombre, violent et mature. Ensuite, je vous avoue, ce jeu pour moi est un jeu extrêmement culte. Il est excellent, c'est mon avis. Et je considère que si vous ne le connaissez pas encore, c'est que vous avez passé les deux dernières années dans un hyper-sommeil, ce qui fait que vous n'avez rien du tout suivi à l'activité vidéoludique, ou alors vous avez été trop obnubilé par des jeux ultra-médiatisés, je ne citerai pas Call of Duty. Voilà, au moins, c'est clair et net, j'ai déjà fait mon mini coup de gueule. Maintenant je vais arrêter de parler, puis on va commencer à jouer. En fait non, j'ai pas envie d'arrêter de parler. Je vais quand même préciser un dernier détail. Metro 2033 est l'adaptation d'un roman rédigé par Dmitri Gloukovski. Je suis désolé les Russes si je prononce mal, je ne suis pas russe. Le livre a été rédigé en 2002 et n'est sorti qu'en 2005. Il a fait un carton monumental d'ailleurs après la sortie de ce jeu. Hop, cette fois c'est parti. В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Voilà, donc je vous laisse quand même le temps de lire, hein, pour les plus lents, histoire d'eux quand même, parce que... Ah oui, exceptionnellement, je vais faire un... cette session de First Level va être suivie d'un Next Level, puisque je vais jouer le jeu en entier à la demande de Tiroan, notre ami le reporter de Minefield, dont le lien vers la chaîne est en train de s'afficher sur l'écran en ce moment même. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il fait de très bonnes vidéos, même si on l'entend jamais parler, c'est dommage, mais bon. Et de toute manière, je suis obligé de dire, malheureusement, moi, je suis obligé de dire que Tiroan, tes vidéos, c'est de la merde! Voilà. Allez, on continue. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Alors j'ai pas fait le jeu depuis pas mal de temps, donc je suis un peu... Je suis désenfermé. Je suis un peu à la masse dessus, hein. Je suis vraiment... désolé si jamais je fais des fails, de toute manière. C'est encore mieux quand il y a des fails, n'est-ce pas? Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Et si je veux pas? Alors,
il faut, j'ai quand même une mention spéciale quand même pour les graphismes. Le jeu a été un des premiers à bénéficier de la technologie DirectX 11 et donc par conséquent de la tessellation. Donc au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai un peu les Y a pas de différents problème. exemples sur lesquels la technologie a été appliquée. Mais là, j'en ai déjà un très bon exemple, à savoir les lunettes de notre ami Hunter. Si c'est bien Hunter, j'ai oublié son nom. On voit bien là le relief. On voit quand même qu'il y a un énorme travail. Pourquoi? Ben c'est grâce à cette technologie, la tessellation, qui permet d'avoir un nombre de polygones vraiment, vraiment très élevé. Allô? Allô? Bon, d'accord, ok. Allez, c'est parti, je vais continuer. Шебурши по ящикам, вдруг найдешь что-то полезное. Cette fois, je me ferai pas avoir. Je ramasse tout. Oh, on a vraiment un. C'est vraiment joli, quoi. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Il y a pas de. Готов, Артём. Ah, pour une fois, on n'a pas de texture dégueulasse et baveuse et. Enfin, bref, c'est vraiment beau, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que tout le monde ne sera pas du même avis. D'ailleurs. Mais pourquoi il me fait ça? D'ailleurs, exceptionnellement pour ce jeu, je vais uploader toutes mes vidéos en 1080p, en très haute HD. Alors, j'espère par contre que le rendu sur YouTube ne sera pas trop sombre. Je vais essayer de corriger ça parce que le jeu en lui-même est vraiment, vraiment très sombre. C'est beau quand même, il y a de très très beaux effets de lumière. Hein. C'est vraiment très très joli. Ah bah bien, bien, je commence, j'ai déjà pas de munitions. Bon, en fait, il fait bien, il travaille bien notre ami là. J'ai déjà plus de munitions, ouais! Mais pourquoi? Il me semblait avoir ramassé des munitions pourtant tout à l'heure, non? J'ai rêvé? Oui, j'utilise un medipack, d'accord. Okay. Pourquoi est-ce que j'ai pas de munitions dans mon truc là? Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je ne vois pas, je n'ai plus de munitions du tout. Alors peut-être que ma touche pour recharger n'est pas la bonne. Ouais, effectivement. Effectivement. Les munitions que j'ai ramassées n'ont pas été comptabilisées. Alors j'ai l'air bête, mais j'ai plus de munitions. Donc là, dans ce genre de situation, s'il y a bien une chose que j'ai envie de dire, c'est que, désolé pour la vulgarité, mais il me reste que ma bite et mon couteau. Tiens, prends ça. Alors vous voyez quand même que c'est relativement dévasté, hein. Ça c'est le résultat d'une guerre nucléaire. C'est la raison pour laquelle donc tout le monde est parti habiter ici, dans le métro. Donc là on est en plein hiver nucléaire. C'est une très grande tour. Pourquoi est-ce que j'ai plus de munitions? J'aimerais bien le comprendre. Alors je tripote un peu toutes mes touches de clavier, hein, parce que ça me... Ça a vraiment le mérite de me perturber cette histoire en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que... Mais j'avais ramassé plein de munitions tout à l'heure, j'ai pas rêvé, on est d'accord. Bon ben voilà, je vais y aller au couteau, ça sera cool. Товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Comment je fais? Je me retourne. J'ai plus mes arrières, il faut que je me retourne.
Tiens, moi je m'en fous, moi j'attends pas qu'on me dise de taper, moi je tape, ouais. Tiens, prends ça dans ta gueule. Faites-moi mal, allez, faites-moi mal. Oui, encore. Miam miam, encore. Allez. Faut que tu te dépêches là. Allez. Ah bah quand même. Oui, je suis obligé de tomber pour que l'histoire continue. Hein. D'où ce manque de défense de ma part. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе так родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер. Друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Alors je précise pour les francophones que le jeu n'est pas obligatoirement... On n'est pas obligé d'avoir les voix en russe. Hein. C'est vraiment un choix de ma part pour une raison d'immersion, encore une fois. Hein. C'est comme le retrait total de la musique. Ça fait partie de mes choix. Vous pouvez encore, si vous avez le jeu ou si vous décidez de l'acheter après ce visionnage, vous pourrez donc choisir entre l'anglais, le français ou le russe. Vraiment, le russe, on est à Moscou, ce sont des russes qu'on joue, et on joue contre des russes, donc c'est normal de jouer en russe, c'est tout, voilà. Non, je passerai pas la scène. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Alors, je tiens quand même à préciser que à aucun moment dans le jeu, on ne verra le visage du héros. Alors, je pense que c'est peut-être un choix des développeurs justement pour que le joueur puisse mieux s'identifier à son personnage. Personnellement, je suis pas russe, je suis plutôt d'origine un peu plus différente. Je m'identifie pas trop, mais c'est quand même bien parce que ben on peut se dire c'est moi, je suis le héros, je suis dans la merde et j'habite dans le métro et c'est génial. Enfin, et il y a un autre truc aussi qui est bien, c'est au niveau de la bande son. Voilà, quand on n'a pas la musique, on entend les gens, ils vivent, ils font leur vie. On entend les gens déprimés, comme la petite fille, je pense que c'est une petite fille qui est en train de pleurer dans l'appartement à côté, enfin l'appartement, l'espèce de case à côté, tout comme on entend un homme qui est en train de déprimer. Vraiment, on verra bien ça petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure, que, outre l'aspect vraiment graphique qui est magnifique et très 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 beau, je me répète, je m'en fous, il n'y a pas de mots. Il y a aussi une bande son et il y a un scénario qui est assez sympa. Je rappelle quand même que, encore une fois, le jeu est tiré d'un livre. Donc qui dit livre dit scénario, on est d'accord, en général. Donc c'est devenu un best-seller, vous pouvez le trouver dans des magasins spécialisés ou alors même dans des grandes surfaces type magasin avec un logo jaune commençant par un F. Je vais pas citer de marque, je vais éviter. Hein. Je sais pas si j'ai le droit, mais je m'en fous. Et par contre, je vous préviens, si jamais vous décidez de vous lancer dans l'aventure, c'est un gros pavé. Je l'ai pas encore lu, mais je compte en faire acquisition très prochainement. Donc si jamais, je vous donnerai mes impressions. Donc, c'est sur cette magnifique photo de ce monsieur qui monte ses deux gros doigts que je vais arrêter la vidéo.
Donc je voulais vraiment vous montrer le prologue et parler vraiment très brièvement du jeu. Donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie, et puis je vous fais des gros bisous.